Une grande cicatrice, Franck Ribéry et le ballon d'or. Ce ballon d'or, c'est une cicatrice, une immense cicatrice. Avec le temps, on finit par l'oublier, mais c'était un rêve. Le ballon d'or, bien sûr que c'est un rêve, comme pour tous les joueurs, surtout quand on a donné le maximum. C'est une grande blessure quand Franck Ribéry quitte le Bayern à l'été 2019. Ce sont ses mots forts pour parler du ballon d'or 2013. 6 ans plus tard, les fans français et une grande partie du monde du football ne comprennent toujours pas comment la récompense ultime a pu lui échapper. Retour sur l'année 2013 complètement folle du Kaiser. En mai 2012, le Bayern Munich affronte Chelsea à domicile en finale de la Ligue des Champions. En demi-finale, les Bavarois ont vaincu le Real Madrid, notamment grâce à un but de Ribéry au match aller. Mais contre Chelsea, rien ne se passe comme prévu. Thomas Müller ouvre le score à la 83e minute, mais 5 minutes plus tard, la tête rageuse de Drogba permet à Chelsea de recoller au score. Les deux équipes vont en prolongation. À la 93e minute, Drogba fait faute sur Ribéry dans la surface. Pénalty pour les Bavarois. Mais Robben échoue face à un immense Petr Cech. Peu après, Franck sort sur blessure. Après une cruelle séance de tirs au but, Chelsea est champion d'Europe. Les rêves bavarois s'envolent. 2 semaines plus tard, la France dispute l'Euro 2012 et s'incline en quart de finale face à l'Espagne. Ribéry, seul danger réel pour les Bleus, termine tristement sa saison. Dès le début de la saison suivante, Ribéry se montre décisif en bleu lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2014. Après des blessures à la cuisse en août et septembre 2012, Franck revient en octobre, marquant son premier but de la saison. Mais un mois plus tard, il est à nouveau contrarié par une blessure aux côtes et doit quitter ses partenaires face à Valence en Ligue des Champions. Malgré ces obstacles, Ribéry reste invaincu avec le Bayern en championnat comme en Ligue des Champions. En attaque, le quatuor Müller. Ribéry, Robben et Mandzukic fonctionnent à merveille. Ribéry rappelle à tout le monde qu'il a la panoplie d'un très grand joueur. Avant d'affronter Arsenal en 8e de finale de la Ligue des Champions, le Bayern compte 20 points d'avance sur Dortmund. L'objectif est clair, remporter la coupe aux grandes oreilles, 12 ans après le dernier sacre du club. Malgré un Ribéry discret, le Bayern corrige Arsenal 3-1 à l'Emirates Stadium. En Bundesliga, Franck marque 2 buts et offre 2 passes décisives en 4 matchs, mais se blesse à la cheville et rate le match retour contre Arsenal. Le Bayern s'incline 2-0 mais se qualifie grâce à la règle du but à l'extérieur. Pendant ce temps, la France entame les qualifications pour le Mondial 2014. Ribéry est remis à temps et les Bleus prennent une option sur la première place du groupe. Cependant, malgré un Ribéry débordant d'énergie, la France est battue par l'Espagne à domicile. Le numéro 7 français se crée les 2 plus grosses occasions tricolores, mais bute sur Victor Valdé. Début avril, les Munichois sont déjà champions de Bundesliga. Le Bayern aborde les quarts de finale de la Ligue des Champions avec confiance grâce à un Müller ultra décisif. Il s'impose 2-0 contre la Juventus au match aller. Et de nouveau 2-0 au retour. Ribéry et ses coéquipiers rejoignent le Borussia Dortmund en finale. Toujours hantés par la défaite de 2012, les Bavarois peuvent compter sur un incroyable Manuel Neuer. Ribéry, multipliant les accélérations et les dribbles, voit ses efforts récompensés lorsque Gundogan égalise sur penalty. À 2 minutes de la fin, Ribéry fait parler son génie et le Bayern devient champion d'Europe pour la 5e fois de son histoire. Cette victoire aurait dû couronner l'année exceptionnelle de Franck Ribéry avec un ballon d'or. Mais il ne l'a jamais obtenu, laissant une grande cicatrice dans le cœur du joueur et de ses fans.